Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon Plante Tour 2018, c'est-à-dire ma collection entière de plantes d'intérieur. Et je les ai comptées, j'en ai un peu plus de 80. Donc je crois que je rentre dans la définition d'une plante enthousiaste parce que j'ai pas des connaissances particulières, mais je suis sacrément addict. Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est « Plant Lady is the new cat lady ». Pardon pour mon accent anglais, mais en gros, avant c'était les dames avec leurs chats, et maintenant c'est les dames avec leurs plantes. Voilà. C'est vrai que les plantes d'intérieur, c'est un sujet tendance, et il y a de plus en plus de personnes qui sont plantes enthousiastes. J'adore par-dessus tout regarder les plantes tours sur d'autres chaînes. Je trouve que c'est inspirant. On apprend des choses sur de nouvelles plantes qu'on ne connaissait pas et également des astuces comment les autres se débrouillent avec cette plante qui en fait chez nous arrête pas de crever. Bref, vous trouverez en barre d'infos tous les noms des plantes dont je connais le nom. Pour d'autres, j'aurais peut-être besoin de votre aide. Je vous embarque. Alors, ça va être un peu... Ça va être un peu à la vlog style parce que je vais devoir vous prendre avec moi dans toutes les pièces de mon appartement pour vous montrer toutes mes précieuses. Nous commençons donc par une partie du salon. Ici, nous avons la Peace Lily, qu'on appelle aussi Fleur de Lune. Celle-là, c'est la variété Sweet Loretta, qui est grande, parce que bien sûr, ça existe aussi en beaucoup plus petit. Ça existe en plus petit, mais ça existe aussi en version gigantesque. Ça fait un moment qu'elle a fleuri. Il devrait y en avoir encore une quelque part que je puisse vous montrer le type de fleur que ça fait. Voilà. Donc là, c'est une toute petite fleur. Elle a eu un peu chaud cet été. Mais en général, il y a plusieurs très jolies fleurs. Alors, elle est dans son pot avec une petite soucoupe en plastique, mais je l'ai mise dans un panier Ikea et j'adore. Et puis elle suit la lumière, donc de temps en temps il faut quand même que je la tourne un peu. Hop. Pour qu'on ait le joli côté. Oui, j'ai mes lumières. Ensuite, nous avons ici quelques orchidées. C'est là où je mets les Miltoniopsis. J'essaierai dans la mesure du possible de vous inclure la photo en fleurs. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça correspond. Donc ici, nous avons la Miltoniopsis Herr Alexander. Ici, la Miltoniopsis Newton Falls. Et puis, alors celle-là, est-ce que je lui ai déjà fait une étiquette ou pas? Attendez. Oui, je crois derrière. Miltoniopsis Benito Key Eternity. Donc, voilà, une partie de mes orchidées parce que, alors, les orchidées spéciales sont à la cuisine et toutes les autres sont dans le bureau et c'est vrai que j'en ai pas mal. On continue ici avec ma Pilea et ses petits bébés. Que j'ai pas enlevée encore. Elle en fait tellement souvent. Elle commence à se faire un peu âgée, donc du coup elle est bien longue. Elle commençait à vraiment tomber et j'ai décidé d'essayer de lui faire une spirale en montant. Donc pour le moment, ça commence doucement à faire la spirale. Ici, nous avons mon petit Ficus elastica Tineke. Je l'avais présenté dans un hall, il était en plante mini et il a déjà bien grandi. J'adore absolument ces motifs sur les feuilles. Derrière, on a une petite clivia jaune, celle-là, parce que j'en ai une orange qui est beaucoup plus grande. Alors ça, c'est un bébé, je ne sais pas si on le voit bien, je ne crois pas que je vais pouvoir le sortir de là. Donc c'est un petit clivia miniata jaune. C'est un bébé de chez ma belle-mère. J'ai un orange qui est grand, que vous verrez plus tard. Hop. Ici, nous avons encore une orchidée. Celle-là, c'est l'Oncidium Cherry Baby. Elle sent tellement bon le chocolat quand elle est en fleur.
avec des jolis pseudobulbes. J'adore ces orchidées. Ici, nous avons mon arbre de jade. Celui-là, c'est un crassula. Et puis, fun fact, à l'origine, cet arbre de jade était une toute petite crassula que j'ai utilisée dans un arrangement, dans un de mes premiers arrangements de succulente. Et puis, il a grandi, puis il a mérité d'avoir son propre pot. On termine ce premier étage avec la Monstera Oblica Monkey. Je sais pas si... Alors c'est vrai que chez moi les plantes sont un peu serrées. Je sais pas si comme ça vous la voyez mieux. Je reviens là parce que j'ai oublié ma Hoya Carnosa Rubra. Voilà. Elle est... Je sais pas si elle est contente ou pas contente là. Parce qu'elle a quand même... Je crois que c'est la façon de l'arroser. Il faut que je fasse vraiment attention de ne pas laisser de l'eau sur les feuilles. C'est valable pour toutes les plantes, mais celle-là en particulier, je pense que je dois vraiment faire attention à l'arrosage. Dessous, j'ai également des petites choses. Donc celle-là, c'est une variété spéciale. Attendez, je vais... Est-ce que j'ai le nom? Ah voilà, ici. Viola Ederacea. C'est, si je ne me trompe pas, une violette américaine. J'adore les pierres et les plantes. Alors, c'est pour ça qu'il y a des pierres un peu partout aussi. Ici, nous avons... Je la tourne un peu. Allez, on focus. Mon Syngonium White Butterfly. Qui a déjà produit plusieurs bébés. Dont un autre que vous verrez après. Et un que j'ai offert, parce que ça c'est une des choses que j'adore faire. Une des choses que j'adore faire, c'est reproduire mes plantes. Et en fait, j'ai à la cuisine toute une étagère avec que des bébés plantes. Et je le fais par plaisir, pour l'expérience et aussi pour en donner autour de moi. Voilà, donc ça c'était le petit meuble du salon. Ici j'ai juste posé deux orchidées qui sont vraiment vraiment en sale état. Parce que c'est ça aussi les vraies plantes tours, c'est que vous voyez les plantes qui vont bien, mais aussi les plantes qui vont pas très bien. Vous voyez des nouvelles plantes et vous voyez des vieilles plantes. Et alors là, elles ont vraiment pas aimé cet été caniculaire. Surtout que j'étais pas là pendant un mois pour notre voyage de noces. Alors même s'il y a certaines pièces de la maison qui ont été arrosées, bref, c'était un été compliqué. Alors elle, elle a pris des araignées rouges. Je l'ai mis dehors... juste le temps d'avoir des invités et j'ai pas fait attention, elle a carrément cramé au soleil, donc c'est un peu la cata. Ça c'était ma Phalaenopsis couture que j'aimais beaucoup, mais elle est encore je pense que c'est possiblement récupérable, même si elle est vraiment 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 en sale état, on verra. Et puis ici nous avons mon Dendrobium Phalaenopsis Thailand Black. Celui-là il venait de chez Ikea. Les cannes ont toutes séché, mais enfin il y a encore quand même de l'humidité dedans et elle est en train de faire des keiki. Elle est en train de faire des nouvelles cannes. Ça c'est pas des fleurs, c'est des cannes. Donc du coup elles vont puiser l'eau qu'il y a dans cette vieille canne pour faire ces nouvelles petites, qui est une façon pour l'orchidée d'essayer de sauver sa vie, hein, quelque part. Donc je vais voir si ça arrive à grandir assez, à faire des racines, et puis je pourrai les prélever, ce qui permettra à l'orchidée de survivre. Ici, j'ai ma Tradescantia, si je ne me trompe pas, une variété de misère. Et en fait... C'était un gros pot et je l'ai divisé en trois pour justement pouvoir la reproduire et en offrir. Et puis, voilà. Elle est marrante celle-là parce que c'est une à plusieurs couleurs. Dessous, elle est rose-violette. Certaines feuilles sont rose clair, blanche. D'autres sont vertes. Certaines sont joliment striés. Donc voilà, je l'ai juste mis, j'ai fabriqué un truc en mettant un pot dessous pour la tenir en hauteur pour que ça puisse faire un peu une cascade. Mais alors c'est pas à vocation d'être joli, même si je trouve que le résultat est pas si mal. C'est surtout en attendant de pouvoir donner deux exemplaires et puis de placer le troisième quelque part. Mais en attendant, j'aime bien les laisser ensemble.
Nous voici près de mon oxalis pourpre et du petit chien qui adore faire la sieste sous la table. Voilà, c'est un grand oxalis pourpre, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'en avais un l'année dernière que j'avais gardé à l'extérieur, mais il n'avait pas trop aimé le climat. Et chez moi, celui-là, alors, il fait des merveilles à l'intérieur. Il est vraiment content. Et je trouve qu'il est trop joli au salon. Et là, il y a le petit chien qui fait dodo. Salut! Oh, je te dérange. Elle a l'air stone. Là, il y a l'autre loulou qui fait sa sieste aussi. C'est quand même dur, la vie de petit chien. Bref, passons aux autres plantes. Alors, ici en haut, vous reconnaissez, j'imagine, la spider plant. Oui, donc je place des petites guirlandes lumineuses. J'aurais dû les allumer, vous auriez vu, ça fait super joli. Quoique, je vais vous les allumer, comme ça vous verrez. Voilà à quoi ça ressemble allumé. Donc, oh là, elle a un peu séché. On va juste enlever ça au passage. Voilà, voilà. Donc, une spider plant. J'en ai beaucoup et j'ai souvent des bébés. Ici, alors j'ai une plante, si vous pouvez m'aider, j'ignore complètement son nom. C'est censé être une plante africaine, en tout cas la personne qui m'en a donné la bouture m'a dit que c'était une plante africaine. Et puis la maman de cette plante, alors elle fait genre 2 mètres de haut. Ça fait cette espèce de longue canne, un peu poilue sur les bords, c'est très drôle, mais je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Alors si vous connaissez le nom, mettez-le dans les commentaires. Et puis ici, j'ignore le nom aussi. Ça ressemble un peu à une espèce de misère verte. C'est une plante super endurante. Bon, il y a de nouveau quelques petites feuilles séchées. Mais bon, voilà, ça arrive. Surtout dans celle-là. Hop, j'ignore complètement son nom. De nouveau, on m'avait donné une bouture et je ne sais pas du tout. Par contre, je la trouve trop jolie. Plus il y a de la lumière et plus elle pousse. Regardez ça. Franchement, c'est pas canon. J'adore. Ici, nous avons une orchidée que j'ai reçue il y a quelques jours en cadeau, qui est absolument trop trop belle. Regardez-moi ces fleurs. Vu les pseudo-bulbes et vu la forme des fleurs, je pense que... Alors, je ne l'ai pas complètement identifiée, mais je pense que c'est une oncidium, genre oncidium phalaenopsis ou un mix comme ça, qui devrait en faire une orchidée qui tient plutôt bien. Donc... On verra. Bon, faut pas faire attention parce qu'il y a un peu des choses entreposées n'importe comment. J'ai une rose de Jéricho. Et la rose de Jéricho, c'est une plante incroyable. Parce que là, alors, elle a l'air complètement séchée et morte, mais pas du tout. Dès le moment où on la met dans un grand bol d'eau, elle s'ouvre, elle se réhydrate et elle devient verte. C'est une plante, comment on appelle ça, immortelle, parce que dès le moment où elle n'a plus d'eau, elle va se ressécher, se refermer comme ça, et survivre jusqu'à la prochaine fois où elle rencontrera de nouveau de l'eau. Je ne sais pas si je ferai une vidéo pour vous montrer comment c'est quand elle se réhydrate dans l'eau. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je ne suis pas encore sûre. Hop. En attendant, elle est là. Hop. Ici en haut, j'ai des pothos argentés. Alors c'est un peu le coin fourre-tout. Hein. Je vais juste monter. Hop. J'espère que vous verrez un peu mieux. Donc voilà, j'adore. Alors les pothos et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ça c'est le pothos, le silver pothos, le pothos argenté. Donc là j'en ai 3, j'en ai 2. Ceux-là ce sont des vieux. D'ailleurs, on reconnaît les vieux pothos aux très larges feuilles. Qui font comparé au nouveau, là il y a un nouveau. C'était une seule grande plante que j'ai récupérée, qui était en très sale état, mais c'est aussi pour ça que je l'ai achetée. J'en ai fait plusieurs, d'une part pour la sauver et aussi pour pouvoir la partager. En fait, ce pothos argenté et puis également d'autres que je vous montrerai, c'est des plantes que j'ai exprès achetées parce qu'elles étaient en sale état. Parce que ça, si, en fait, je sais pas si ça vous arrive aussi. Je pense que quand on est sacrément mordu, ça doit se passer. On repère les plantes rares et les plantes qui vont pas bien et les plantes qui vont bien. Le pothos argenté, ça faisait longtemps que je le voulais.
Et ben, je l'ai pris parce qu'il était en mauvais état, aussi parce que c'est le seul que j'ai vu, mais parce que je trouve absolument génial de pouvoir faire renaître, de pouvoir sauver une plante, ça m'éclate. Et puis surtout, ce qui est très pratique, c'est que les magasins, en fait, les plantes qui sont abîmées ou qui sont en train de crever, ils les gardent pas parce que c'est pas joli en rayon en général. Et puis si elles sont pas vendues, la plupart du temps, elles sont éliminées. Donc quand je vois une plante que j'aimerais bien avoir mais qui n'est pas toute fraîche, je vais vers le vendeur et puis je lui dis « Hey, bonjour, écoutez, vu l'état de la plante, est-ce que vous me feriez un rabais dessus ?» Ce qui fait qu'en général, j'ai du moins 50% sur certaines plantes, alors c'est cool. Et puis ce qui est chouette aussi dans l'expérience du jardinage urbain, du jardinage d'intérieur ou d'extérieur, c'est de faire des expériences. Et essayer de sauver une plante, c'est une chouette expérience. Ça marche pas forcément à chaque fois non plus, mais voilà. Bref, je passe à ma Monstera. Voilà, mademoiselle Monstera. Avant, elle était ici sur un tabouret. Et elle a fini là-haut parce que j'ai utilisé le tabouret pour une autre plante. Il va falloir que je trouve un coin parce que là, c'est provisoire. Et je sais pas si elle va rester là. Elle prend de la place, je trouve que c'est pas forcément très harmonieux. Je sais pas, je suis pas encore sûre où je vais la mettre. Donc là nous avons fait le tour du salon. Oui, j'ai fait tout le tour du salon et maintenant je vous amène à la cuisine, juste là. Je me suis déjà mis une chaise pour pouvoir monter et vous montrer le reste. Mais à la cuisine j'ai cette petite plaquette aimantée avec des plantes. Ici nous avons un bébé Syngonium White Butterfly. Un bébé de ma fameuse plante africaine dont j'ignore le nom, je vous ai montré la plus grande tout à l'heure. Ici nous avons la vigne tortue, j'ai la grande et une division que j'ai faite pour la reproduire. Celle-là je vous l'avais montrée aussi dans un haul de mini que j'avais fait. Alors ici nous avons c'est des graines de pitaya, le fruit du dragon que j'ai planté et qui m'a fait cette espèce de petit cactus trop mignon. Ici nous avons des aloe vera qu'il va falloir que je rempote parce qu'elles sont en train de tomber. Voilà, des bébés aloe vera que j'ai reproduit moi-même. Et puis ici une succulente qui est, est-ce que j'ai le nom qui est marqué, ça doit être une awarcia ou quelque chose comme ça. Je connais pas le nom de celle-là que j'arrose très rarement. Il faudrait peut-être que j'arrose de temps en temps. Voilà, l'astuce c'est vraiment en fait de mettre les plantes qui ont le plus besoin d'être arrosées en bas et les plantes qui ont le moins besoin d'être arrosées en haut. Donc à côté ici j'ai un pothos doré. Que j'essaye de fournir un peu, je vais vous montrer celui-là, vu qu'il est tout en haut et que je l'arrose moins souvent. J'ai mis un petit oiseau pour l'arrosage, je ne sais pas si vous voyez. Il devrait me faire d'autres tiges gentiment. J'essaye de faire ce qu'il faut pour l'étoffer en mettant d'autres pousses à côté, mais il faut le temps qu'elle pousse. Le pothos, c'est vraiment une de ces plantes hyper facile, j'adore tellement les pothos. Ensuite je vous présente mon coin à orchidées spéciales et à bébés. Alors j'ai tout ça de bébés. Ici nous avons une autre spider plant et celle-là elle a fait un nombre de bébés assez impressionnant. Elle a fait des bébés qui ont fait des bébés qui ont fait des bébés, donc là il faut vraiment que je fasse le nécessaire pour prélever ces bébés et les faire pousser à part parce que c'est en train d'épuiser la plante et ils n'ont pas assez d'eau. Donc il faut vraiment que je le fasse tout bientôt. Ensuite ici de nouveau un pothos argenté que j'essaye de reproduire. D'ailleurs on voit, je ne sais pas si vous voyez, il a commencé à faire des racines. Voilà, ici nous avons ma chaîne de cœur. String of Hearts. Voilà, et derrière en fait c'est des masses d'Evalia, une masse d'Evalia pardon, une orchidée spéciale qui a un peu crevé, enfin un peu carrément, et je me suis dit que j'allais voir si ça repoussait, on verra. Donc je l'ai mise là-haut pour l'oublier un peu
et puis on verra ce que ça va donner. Ça c'est une fausse rose, je trouvais juste trop mignon. Ici de nouveau un pothos doré que je suis en train de reproduire. Certaines feuilles ont un peu mouru, mais voilà, ça arrive. Ici nous avons un bébé de la Monstera Oblica Monkey. Elle a bien fait des racines. Je ne sais pas si on voit depuis là. Et puis, alors sous... Regardez, mais je suis tellement fan des pothos. Trop fan. Hop. Ici, alors j'ai des bébés String of Pearls et un bébé String of Pearl rose. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même à gauche et à droite que j'essaye de reproduire. De nouveau, un pothos argenté. Voilà pour cet étage. Ici nous avons un bébé Peace Lily qui est censé être à peu près de la même taille que celui que j'ai. Il a bien fait des racines, il faudra que je le plante. Ici nous avons une bouture qui commence à faire une racine. Yeah! Ça prend tellement de temps pour celle-là. Donc c'est une bébé Pothos Marble Queen. Avec ses marbrures comme ça dessus. Je vous disais que j'adorais les pothos et en fait il ne me manque plus que la pothos néon qui est sur ma wishlist et je crois que j'ai les variétés de base du pothos. Le seul problème c'est que comme celle-là en fait plus il y a de blanc et moins elle pousse vite donc il lui faut du temps. On verra la Marble Queen, on verra en combien de temps j'aurai une plante potable, mais ça risque de durer un moment. Je continue ici, hop, je vais juste la descendre. J'ai une vanille qui est aussi en train de faire ses racines, enfin qui les a faites depuis un moment, il faudrait que je la plante, mais voilà. J'ai la maman que je vous montrerai dans le bureau. Des bébés spider, des bébés palmiers qui sont pas à moi. Que je garde pour quelqu'un, je vais vous montrer. C'est trop mignon les bébés palmiers. C'est trop chou. Il va falloir que je lui remette de l'eau. Une bouture, enfin je dirais plutôt un test de l'orchidée bijou. Je vais vous montrer la mère tout à l'heure, mais voilà, j'ai fait un test hydro. Normalement, elles n'aiment pas trop être dans un système hydro, mais du coup, cette bouture s'y est plus. Donc nous avons beaucoup de babies ici. Nous en avons ici aussi, je vais d'abord vous montrer là avant de passer à l'arrière. Ça c'est une bouture d'une plante dont j'ignore également le nom, donc c'est censé être une très longue tige. Je ne sais pas du tout le nom, si vous le connaissez mettez-le moi en commentaire. Ça c'est ma fougère de Boston, enfin ce qu'il en reste parce que... Ça demande trop d'humidité pour chez moi parce que du coup ça me saoule royalement de la pchiter avec de l'eau. Et puis elle était toute petite donc elle avait besoin de beaucoup d'humidité et j'en ai perdu une sacrée touffe. Donc voilà, elle est là en train de survivre sans réellement réussir à crever. On verra. C'est une bouture d'alocasia, donc celle-là. Toute jeune, qui est censée devenir énorme. On verra si elle tient le coup ici, parce que c'est celle-là en particulier a besoin de pas mal d'humidité, donc on verra. J'ai pas le nom exact, je sais juste que c'est une alocasia. Ici, nous avons de nouveau un golden pothos. Ça ne vous surprendra plus. Et puis, ce qui est tout mignon, c'est que là, il y a des toutes petites pousses qui sont en train de naître sur le morceau de tige, là. Donc là, ici, c'est une sorte de Hoya. J'ignore le nom exact, c'est juste que c'est une Hoya, une bouture de Hoya. Ici, nous avons celle-là, un fougère Blue Star. Ça s'appelle Phlebotium aureum Blue Star. De nouveau, il lui faut pas mal d'humidité, celle-là. Donc voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner. Comme vous avez remarqué, mes bébés plantes, j'utilise en fait du recyclage de plastique pour en faire des coupelles.
Ici, nous avons deux aloés qui sont là depuis genre 2 mois et qui sont toujours vivantes. Je leur mets un chouïa d'eau pour les racines quand j'y pense. Et puis, il faut que je les plante, mais je les utilise aussi pour me faire des soins pour les cheveux. Donc, voilà, elles traînent, voilà. Ici, donc ça, c'est juste un humidificateur. Et puis là, on a des bébés succulentes qui ressemblent un peu à rien. J'aurais peut-être dû un peu mieux vous préparer la vidéo pour que ce soit joli. Mais voilà, des bébés succulentes un peu abandonnées. En fait, quand je perds quand je perds des feuilles de succulentes, quand je fais des arrangements ou comme ça, en fait, je les balance là-dedans ou dans un autre endroit encore. Pour voir si ça prend. La plupart du temps, ben, ça fait des bébés succulentes. Et puis, alors ici, c'est mini nursery. Je vais ouvrir pour vous montrer. Donc, celle-là et celle-là, ici, là, ce sont des langues de belle-mère, aussi appelées Sansevieria, Trifasciata, ouais, dans le genre. Celle-là, on verra ce que ça va donner. C'est censé être une Diefenbachia, si je prononce ça correctement, je ne sais pas. Ici nous avons un morceau de figuier de Barbarie, en espérant qu'il pousse, mais il a l'air d'avoir fait des racines. Et une autre Tradescantia, ça c'est une Spatacea. Enfin bref, on verra, mais tout ça ce sont des bébés et il faut voir s'ils grandissent, mais en tout cas ils ont tous l'air bien partis pour le moment. Alors ici nous avons une expérience. J'ai essayé de voir si j'arrivais à faire prendre des racines à mon trèfle pourpre. Ça a pas l'air de marcher, hein. Celle-là elle a l'air de crever, mais voilà, j'ai fait un test. Ici nous avons un autre pothos. Et puis alors là, on est dans les orchidées spéciales. Nous commençons par un Paphiopedilum. Je le trouve trop joli avec ses petites feuilles. Il est en train de faire une autre nouvelle pousse ici. Là, vous avez l'orchidée bijou, donc la Ludisia, dont vous avez vu une bouture tout à l'heure. Elle est en train de partir vers la fenêtre. Alors ça, c'est l'orchidée Promenaea Sunlight. Elle n'est pas toujours très contente, mais en même temps elle fait de nouvelles pousses, donc je sais pas, il faudra que je me penche un peu plus sur son cas. Ici nous avons la Miltonia Sunset, hop, voilà, qui fait aussi des nouvelles pousses. Et on termine par, alors ça c'était mon tout, je vais te pousser toi, ça c'était mon tout premier paf, c'est l'American, comment il s'appelle, Paphiopedilum vinicolor American hybride, avec un petit Pokémon, Bulbizarre. La feuille elle a pas trop aimé là, et il a fait aussi une autre pousse. Je m'attends à avoir une ampe florale. On verra, je sais pas trop. Donc voilà, ça c'était le coin cuisine avec tous mes babies. Maintenant je vous embarque dans la chambre à coucher. J'ai une seule plante dans ma chambre à coucher et je l'ai mise sur un tabouret. Et il s'agit de ma zizi plante, ma Zalmioculcas si je prononce ça correctement. Alors c'est une plante exceptionnelle parce que ça fait quasiment 2 mois que ce store est fermé et qu'elle a très très peu de lumière et qu'elle survit toujours. Alors oui, on voit qu'elle cherche un peu la lumière, mais alors c'est une plante que j'adore pour la chambre à coucher. Et faites pas gaffe, là je veux me faire mon frémoil depuis longtemps et ça fait longtemps que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, mais que je le fais pas. Voilà, donc voilà la seule plante que j'ai dans la chambre. J'ai un petit balcon fermé, une espèce de loggia
devant la chambre. Et ici, nous avons une vanille, la vanille maman de l'autre, qui est en train de faire des racines. Je la trouve trop belle. Elle a bien repris là, c'est chouette. Voilà, et puis ici, nous avons des succulentes. Ah tiens, d'ailleurs, celle-là, elle avait fleuri, il faudrait que je lui enlève, ça part pas tout seul, non. Oula, je mets des graines partout. Donc, en fait, ça, c'est un peu mon pot fourre-tout de succulentes, où je mets toutes les succulentes que je récupère, que je sors d'arrangement, parce que tout d'un coup, ça va plus pour une raison X ou Y, ou celles qui ont simplement une sale tête, et que je mets ici pour qu'elles puissent faire des nouveaux bébés. Par exemple, ça, je lui avais coupé la tête, je crois, et elle a fait 3 nouvelles pousses. C'est trop joli. Celle-là, elle est en train aussi de faire des bébés. C'est aussi là où je mets, ben voilà, je sais pas si on voit. Voilà, ah, elle a déjà fait des racines. Ben ça, c'est typiquement une feuille de succulente qui a fait sa nouvelle succulente. Celle-là aussi, c'est une feuille de succulente qui a fait pousser son clone succulente. Parce que de l'autre côté, il y a des trucs sympas à vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Ouais, non. On voit que j'en prends pas vraiment soin. Faudrait que j'enlève un peu toutes ces feuilles mortes pour éviter qu'il y ait des parasites qui viennent s'y mettre. Hein. J'adore. Oh, j'aime tellement les succulentes. Actuellement, j'ai pas trop d'arrangements à la maison. Parce que j'ai tendance à les faire et à les offrir. Voilà, donc là, c'est pour le moment à l'extérieur, mais dès qu'il commence à faire froid, il va falloir que je rentre tout ça. Et je vous embarque maintenant dans le bureau où il y a toutes mes orchidées et un peu plus. Donc, ici, nous avons... En fait, nous sommes juste derrière le petit coin que je viens de vous montrer. Hop, donc il y a beaucoup de lumière ici. Nous avons mon Dendrobium Purple Happiness. Alors celui-là, ben, ces cannes-là sont un peu sur la fin, hein. Mais elle fait des nouvelles cannes, donc celle-là elle a l'air toute bien. Ici nous avons, ça c'est mon Dendrobium Akatsuki, il est trop joli quand il est en fleur, enfin j'espère que vous voyez parce qu'on est un peu à contre-jour. Donc les grandes tiges sont gentiment en train de mourir, par contre alors il m'a fait plein de keki. Regardez, nouvelle plante avec ses racines, nouvelle plante avec ses racines, nouvelle plante avec ses racines. Donc du coup c'est aussi une façon un peu de sauver sa vie parce que bon, c'est clair que ces orchidées ont été malmenées cet été. C'est la Dendrobium, alors elle n'a pas de nom, c'est une Dendrobium phalaenopsis, elle est blanche, cœur rose pâle, voilà. Ça me permet de me souvenir de... que c'est. Ici nous avons mon Dendrobium Berry Oda et ça c'est une de mes orchidées préférées. Je suis super fan en fait. C'est plein de petites de petits longs pseudobulbes et ça fleurit au bout. Et puis là elle a commencé à faire des nouvelles pousses, ça poussait super vite. Genre en 3 semaines, 1 mois, elle avait déjà fait toute cette nouvelle tige. J'en ai une autre ici, une autre là, et je me réjouis de la voir fleurir parce que du coup elle fleurit d'un peu partout. Ici, ce sont mes Twinkles. Celui-là est là-bas, je vais vous le montrer. Attendez, hop. Voilà. Oncidium Tiny Twinkle blanc. Alors, voilà. Ils sont tout petits, ils sont tout choux. Vous voyez, comparé à la taille des autres orchidées, les Twinkles, ils sont tout petits. Et là aussi, on a un autre Twinkle. Alors, les Twinkles, ça, je sais que c'est pas de ma faute. Parce que partout où je vois des Twinkles, ils ont tous les pointes sèches. Donc, ça, c'est pas la sécheresse. Nous avons une Cattleya qui est un peu en train de se faire la malle de son pot. Donc, il va falloir que je la rempote bientôt. Celle-là, c'est une... Alors, hop, celle-là, c'est la Cattleya... rose clair, donc ça c'est la Cattleya unifoliée parce qu'on voit qu'elle a qu'une seule feuille au bout de chaque pseudobulbe, voyez. Tandis que là-bas derrière j'ai une bifoliée que je vais vous montrer dans un instant. Je vais probablement devoir faire une division et puis essayer de la refaire pousser droit.
Ça sent tellement bon les Cattleya, je suis super fan. Donc je vous disais, donc ça c'est la unifoliée et ça c'est la bifoliée, vous voyez, parce qu'une tige fait deux feuilles. Celle-là c'est la Cattleya bifoliée blanche. Hop. On termine ce premier étage d'orchidée avec une cambria intergénétique. C'est un mix en fait. C'est un mix, mais je trouvais super drôle cette énorme pseudobulbe. Franchement, elle est fun. Ça, c'est aussi le plaisir avec les orchidées un peu spéciales, c'est que en attendant qu'elles aient pas de fleurs, franchement, ça fait quand même des plantes vertes assez drôles. Ici, en bas, nous avons des Phalaenopsis toutes simples. Alors, plus simple, il n'y a pas. Celle-là, c'est une Phalaenopsis, je l'ai appelée Mama Air Baby. En fait, c'est juste que ma maman avait une Phalaenopsis qui a fait un bébé en hauteur. Donc, je l'ai appelée comme ça. Je ne connais pas la couleur. La plante mère n'existe plus. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais elle pousse. Elle pousse lentement, mais sûrement. Et elle fait des racines aériennes. Et puis, c'est pas du tout un problème, les racines aériennes, au contraire. Il faut les laisser, c'est une très très bonne chose. Ici, nous avons une Phalaenopsis Cambridge, c'est une blanche très très belle, je vais essayer de la tourner un peu, qui a d'ailleurs fait un keiki qui est grand, mais j'avais vraiment pas envie de l'enlever parce que je trouve que c'est fun comme ça, d'avoir l'orchidée avec son keiki. Et puis, alors oui, j'ai des substrats, vous aurez remarqué, j'ai des substrats un peu bizarres. Je fais une espèce de hydro, semi-hydro. Ça, c'est de la sphaigne synthétique. En fait, c'est du microfibre. J'en ai qui sont encore dans leur copeaux d'origine. Et en général, ceux qui sont encore dans leur copeaux d'origine, c'est juste parce que j'ai pas encore pris le temps de les rempoter. Donc, je fais mes petites expériences et je prends ce qui marche. Et ça, c'est une Phalaenopsis aphrodite à pois. Voilà, je vais quand même vous la tourner un peu. C'est une orchidée, petite faille qui pousse. Voilà, ce sont des phalles toutes simples, mais il en faut quand même dans chaque collection, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'était le coin orchidée. Donc juste au-dessus des orchidées, j'ai... Alors ça, je l'ai fait en tuto d'ailleurs, si ça vous intéresse. Deux plantes aériennes. Que j'ai simplement placé sur du gravier décoratif. J'ai perdu les deux autres parce que j'ai un peu oublié de les arroser. Parce que quand elles sont dans une déco, c'est beaucoup plus facile de les oublier. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, quand je les arrose, en fait, je les trempe dans l'eau et ensuite je les laisse sécher sur mes orchidées. Et comme ça, quand je m'occupe des orchidées, ben, je m'occupe en même temps des aériennes. Mais bon, j'ai quand même pas fait cette déco pour rien. Alors voilà, j'essaie de m'en souvenir. Ici, nous avons un Cymbidium picobello qui tire un peu la tête. Hein. Il a été pas mal délaissé. Et puis, alors, il fait des nouvelles pousses, mais je sais pas trop. Il faudrait peut-être que je le rempote. Je suis pas tout à fait sûre. Ou peut-être simplement que je l'arrose un peu plus souvent. Sur le bureau, j'ai également cette fausse rose. Et cette petite succulente Gasteria. Hop, voilà, juste pour faire joli. Je vais vous montrer ce que j'ai caché là-bas en haut, pour terminer la pièce. J'ai mis en hauteur les plantes, de nouveau, qui ont moins besoin d'être arrosées. Comme ça, je ne suis pas tentée de les arroser trop souvent, qui est une des façons de faire crever des plantes. Et puis, je les descendrai aussi le moment venu. Par exemple, là-bas derrière... Ceci, c'est ma Clivia orange et c'est pas encore tout à fait sa saison. Donc je la garde là-haut pour l'arroser le moins souvent possible. Ici, nous avons quelque chose qui était beaucoup plus joli avant, mais vraiment beaucoup plus joli avant. C'est mon ananas. C'est un ananas que j'ai planté qui était vraiment très 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 joli et il a crevé, il est en train de commencer à repousser. Ici, nous avons un petit cactus euphorbe, qui est un reste de mon cactus de célibataire. C'était un énorme cactus qui faisait quoi, 1 mètre de haut. Et puis je l'ai un peu abîmé, je l'ai gardé pendant genre 10 ans. C'était la première plante que j'ai réussi à garder vivante, parce qu'avant je faisais tout crever, même les cactus. Donc je l'ai gardé pendant très très longtemps, et puis il y a eu un petit accident, puis j'ai récupéré un morceau.
et je l'ai fait prendre des racines et voilà ce qu'il en reste. Et puis ici derrière, là nous avons mon cactus de Noël. Et ici nous avons un cactus de Pâques. En fait ce cactus de Pâques je l'ai eu pour genre 2 francs. Il était en train de crever tout derrière un rayon. Et puis je l'ai eu en action. Et voilà, en promo. Et en fait il est en train de récupérer. Alors il faudra un petit moment pour qu'il refasse des feuilles et surtout des fleurs. Mais voilà, il est en train d'aller mieux. Et je l'ai mis là pour éviter de trop l'arroser parce que les racines, j'ai pas envie de les faire pourrir, faut qu'il les refasse lentement. Et voilà, c'est une vidéo un peu longue, mais c'était mon plan de tour 2018. J'espère dans tous les cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez reconnu certaines plantes. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.